Le montage d'une Goddard Caddis. On prend un fil uni 6-0 puisqu'on va tirer sur du corps de chevreuil de couleur brun. On accroche notre fil et on va l'amener jusqu'à l'arrière de la mouche. Puis on va l'amener pratiquement jusqu'à la courbure, juste pour faire une bosse à cet endroit-là. Puis on va venir mettre une goutte de vernis, étant donné que le derrière de cette mouche-là a tendance à glisser si jamais on ne fait pas ça. Donc on met goutte de vernis juste pour que ça soit solide et durable. On commence avec notre poil de chevreuil. On pourrait prendre du poil de caribou également. Ça fonctionne aussi bien. On s'en prend une première pincée qu'on va venir nettoyer, tout enlever le sous-poil qu'il pourrait avoir dedans. On vient faire un tour sur le dessus de notre hameçon et puis on la maintient dans notre main. Le but de cette pincée-là, donc, c'est qu'elle reste sur le dessus de l'hameçon. On vient faire quelques tours en serrant entre chaque tour, s'assurer que ce soit le plus solide possible. Par la suite, on vient repousser vers l'arrière. On fait quelques tours devant. Donc la première pincée, c'est ça. On vient se ramasser une deuxième pincée. On va nettoyer également le dessous. Une fois qu'il ne reste plus de poils de beau, plus de sous-poils, rien, on vient l'attacher. Un premier tour, deuxième tour. Lorsque je fais mon deuxième, celle-là, je peux la lâcher. Donc le but, c'est que ça tourne autour de notre hameçon. On vient pousser un petit peu vers l'arrière. On s'assure que c'est bien attaché solidement, que tout a fini de tourner. Par la suite, on va simplement venir faire quelques tours à l'avant. Puis on va faire nos premières coupes. Donc, je sors ma boîte à chaussures que je mets sous mon étau. Maintenant, je vais simplement couper le devant. Donc, le but de couper le devant seulement de la mouche, c'est de faire de l'espace parce qu'on va enrouler à la queue. Donc, on coupe ça en cône, un petit peu comme ça. Là, j'ai des fibres qui étaient restées prises en dessous de mon fil. Je vais venir les relever. Les couper. Donc, une fois que ça c'est fait, on est prêt à faire le devant de notre mouche. Je prends, le rachis d'une plume de hackle. J'ai enlevé toutes les plumes qu'il y avait dessus. Ce qu'on fait, on s'assure qu'il n'y a rien dans nos jambes. On va venir simplement le prendre et l'attacher sur le dessus de notre hameçon. Donc, je le tiens là. Deux tours. Je le plie en deux. Donc, comme ça, il est vraiment attaché sur le dessus de mon hameçon.
peux couper ce qui reste. Une fois que c'est fait, on revient vers l'avant. On revient vers l'avant. On va attacher notre hackle à l'avant de notre mouche. Donc, sur le côté. Une fois que mon fil est revenu à l'arrière, on vient couper le rachis. Puis je vais commencer donc à enrouler mon hackle à partir de l'avant vers l'arrière le plus serré possible. Jusqu'à temps que je sois rendu à mon poil de chevreuil. À partir de là, je vais venir faire trois tours très solides avec mon fil de montage. Puis je vais continuer à tourner en faisant attention de ne pas attraper aucune fibre au travers du hackle jusqu'à l'avant de la mouche. Une fois rendu à l'avant, je vais lever mes antennes. Je pourrais prendre aussi un outil finisseur de nœuds pour repousser toutes les fibres. Le but, c'est de former une tête. Donc, sans attraper les fibres de la queue. Un coup que ça c'est fait, on peut couper notre fil qui est sécurisé. Notre hackle, on vient simplement tirer vers l'avant un coup sec, ça lâche. On sépare nos deux antennes. Puis, il nous reste simplement à couper le derrière de la mouche. Donc, je reprends ma boîte pour ramasser. Donc, le plus simple, c'est de faire un espèce de tube avec. On va le faire dans nos mains. Donc, on vient pincer le tout. On va couper vers l'arrière, comme ça ici, avec un angle. Puis la portion du bas, on va venir couper avec un petit angle. Comme ça ici. Puis là, lorsqu'on la lâche, on peut venir. On voit, je l'ai coupé long un petit peu. Donc, on a le temps, on vient la refaire. Un petit angle en dessous. Donc là, l'angle est fait. On peut venir faire le fine tuning. Donc, je vais en enlever un petit peu sur les côtés. Je trouve qu'il en reste beaucoup. Et puis en dessous. Donc, le montage de la Elker Caddis. Une mouche sèche super productive pour plusieurs espèces. Entre autres, la truite mouchetée. En lac et en rivière.